sais que tu caches quelque chose. Mais je sais aussi que Jacques ne se laissera pas avoir. Tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'il ne faut faire confiance à personne. Surtout pas à la cellule antiterroriste. Jacques ? Quoi ? Soyez prudent. Un jeu d'enfant ? Peuple français, nous venons de vous montrer que nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour libérer notre peuple du joug de vos dirigeants. Nous voulons l'indépendance immédiate et sans aucune condition de la Bretagne, ainsi que la restitution du Mont-Saint-Michel à sa patrie bretonne. Votre gouvernement a moins de 24 heures pour nous répondre. Sinon, il sera responsable des morts qui s'ajouteront à ceux de ce matin. Kenavo. Bon, c'est bon. Il n'y a plus de menaces. Si. Quoi ? Mais on vient de tous les buter. Quoi ? Ouais, enfin, vous venez de tous les buter, excusez-moi. Oh, les mecs ! Quoi ? C'est pas le moment de divaguer, Jacques. La menace est bien réelle. Vous n'avez pas tous les paramètres de cette histoire. Quoi ? Oh, ça va ! J'ai capturé un terroriste. Il est dans le coffre de ma voiture. Il faut qu'on lui fasse dévoiler son plan. Cette histoire n'est pas encore terminée. Ok. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Allez, on y va ! Jacques, il faut que je te parle. Salut collègue. Salut Nick. Désolé, je suis super à la bourre. On n'a pas encore eu besoin de moi. Non, mais bon, fais gaffe. Hein. Arriver en retard en période de crise, c'est pas ça qui va te faire gagner des points. La bosse est dans un de ses états, j'ai jamais vu ça. Quoi, on est en période de crise là ? Bah ouais, t'as pas été mis au courant ? Bah non, je viens d'arriver là. Les bus sont encore en grève, je suis parti dès que j'ai entendu ça à la radio, quand mon réveil a sonné. Je suis parti, j'ai pas déjeuné, je me suis pas brossé les dents. Oh, c'est évident, j'allais arriver en retard. Il se passe quoi exactement ? Alors aujourd'hui, un agent du BDE s'est fait kidnapper et des indépendantistes bretons préparent un mauvais coup. Non. Mais on a envoyé qui là-bas ? Jacques Douai. Pour la compagnie Roland Pouillard et un agent du BDE, Yann Le Guenec. D'ailleurs, on pense qu'il est lié à cet enlèvement. Oh, mais si c'est Jacques qu'on a envoyé, ça va ? Pas aller du tout, Jacques ! Mais si, je te dis ! Non, non ! On n'a jamais vu un agent complètement défoncé réussir sa mission. Mais c'est du triple F ! Ça risque rien, c'est bio, c'est mon cousin qui fabrique. Du quoi ? Du triple F. La farine de faisan fermentée. Oui, oui, bah, je sais ce que c'est que le feu, je suis déjà allé en boîte. Non, ce que je comprends pas, c'est que tu sois tombé dedans. Toi, Jacques, l'agent le plus doué de ta section. Oui, bah justement, au bout d'un petit moment, tu peux plus enchaîner 8 missions de 24 heures d'affilée comme ça sans un petit coup de pouce. Alors après tout, excuse-moi d'être seulement humain. Arrête, on sait tous les deux qu'on est bien plus que ça. T'as oublié notre dernière mission ? Le gang des Bigoudens. Le gang des Bigoudens, ouais. Et son trafic de crêpes à la poudre. C'était il y a longtemps. Ouais. Tout comme la promotion qui a suivi. Enfin, ta promotion. Ton envoi à la CAT. C'est ce que je te dis, les temps ont changé. La CAT, c'est plus ce que c'était. On n'a plus le temps, pas le choix, faut y aller. On fait des plans pour s'en sortir, écoute. Fais gaffe au copyright. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que toi, tu dois être bien tranquille à la BDE. Hein. Ça veut dire quoi, ça ? Rien, rien. Je trouve juste dommage qu'avec le temps libre que t'as, tu m'aies pas donné de nouvelles depuis... Le gang des Bigoudens ? Le gang des Bigoudens, ouais. Je m'inquiète pour Jacques. Tu crois que tout se passe bien ? Mais oui, t'en fais pas, c'est un expert. 2-3 coups de feu pour impressionner et hop, c'est fini. C'est fini ! Bordel, t'es qui, toi ? Il va leur semer de poser leurs armes. Posez vos armes ! Et ta mère ! Posez vos armes ou je le descends ! Le Guenec va sans doute se dévoiler à son grand jour. Écoute, mon gars, cette situation est trop délicate pour la régler de cette façon. Alors écoute, on va te défoncer, t'entends ? T'entends ? J'aimerais bien voir ça. Et Jacques va réussir à le maîtriser. Jacques, maîtrise-toi. Dans ces circonstances, un peu de doigté ne fait pas de mal. Du doigté, s'il te plaît. Tu vas voir qui va l'être. Et bien en profondeur. Tout ça dans la classe et la sobriété. Tu m'entends, gueule de chiasse ? Jacques ! C'est bon, les gars ! Tirez-nous dessus ! Je suis prêt à me sacrifier pour la justice ! Ta gueule ! Oh, Gast, Maison de Douai, maintenant ça suffit, je vais compter jusqu'à 5. Et puis voilà ! Si vous avez pas lâché vos armes d'ici là, je bute votre pote, c'est clair ? En 5 secondes, la tension va retomber. Et c'est toujours sac de pu ! Jacques ! Et tout sera fini. Une onde ? T'aurais quand même pu l'attacher plus solidement, hein. Tao ! S'échapper comme ça d'un coffre, enfin je veux dire, c'est ridicule. Quoi ? Tri ! Mais c'est pas lui que j'ai capturé ! Quoi ? Mais c'est pas lui ! Mais non ! Pévar ! Mais non, si c'est pas lui...
Il importe peu. Tu bouges plus, connard! Un jeu d'enfant, je te dis. Jacques, c'est un bon, un mec clean. On la lui fait pas. Merci, Nick. Mais je reste quand même un peu inquiet.